Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui suit le soleil égyptien jusqu'à l'île du docteur Morora. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ma première vidéo d'octobre. Salut les cochons! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on part sur toute autre chose puisqu'on entame enfin la plus grosse période de l'année et que le bal des jeux les plus attendus commence avec le fameux A Plague Tale Requiem, suite du très apprécié A Plague Tale Innocence. Pour ma part, j'ai eu la chance de le recevoir il y a presque 3 semaines maintenant, j'ai donc eu largement le temps de le terminer pour pouvoir dès aujourd'hui vous livrer mon verdict complet sur la bait. Histoire que vous sachiez si l'on a affaire à une très bonne ratatouille ou si au contraire, eh bien le résultat final file plutôt la ch'touille. Alors, évidemment, je pense que vous le savez aussi bien que moi, le premier opus avait vu le jour en l'an de grâce 2019, et ça avait été un véritable succès à la fois critique et commercial. Une très bonne nouvelle donc qui a poussé les développeurs à accoucher d'une suite, celle dont il est question dans ce test, et ce à peine 3 ans et demi plus tard. Puisque oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce nouveau conte de la peste est toujours programmé par les bordelais de chez Asobo, à qui l'on doit également les jeux Fuel, mais aussi le dernier Flight Simulator. Pour autant, rassurez-vous, leur nouveau bébé sort aussi bien sur PS5, console sur laquelle mon test a été réalisé, que sur Xbox et PC. En revanche, désolé pour ceux qui l'espéraient, mais non, il n'est pas du tout prévu sur les supports d'ancienne génération. Voilà, l'avantage, bah, c'est que ça se voit au premier coup d'œil. La vache, au moins sur ce jeu, c'est indéniable. Hein. Ce nouveau A Plague Tale a un énorme point commun avec Requiem for a Dream, il a dû coûter un bras. Alors attention, hein, je dis pas que le premier était moche, loin de là, mais force est de constater que cette seconde aventure est parfois à tomber par terre. Pas toujours, certes, selon les environnements traversés, évidemment, mais pour un double A qui n'est pas censé concurrencer les blockbusters, bah, je peux vous assurer que ça force même le respect de Maître Splinter. Le souci du détail sur les décors, la gestion de la luminosité, la météo, les nuances de couleurs, les architectures, bref, nom d'une plaque d'égout, je vous promets que ça brise des bouches. Alors forcément, hein, je vous vois venir à des kilomètres, peut-être que certains et certaines d'entre vous n'ont absolument jamais touché au premier volet. Auquel cas, vous avez sans doute tout un tas d'interrogations diverses et avariées qui vous rongent l'esprit. Est-ce que c'est un jeu réservé aux buveurs de Bordeaux? Est-ce que l'ambiance est au poil? Ou encore, est-ce qu'il faut avoir lu l'intégrale de Ratus pour comprendre le scénario? Des questions qu'on qualifiera de tout à fait légitimes puisque, par exemple, aucun résumé du premier n'est proposé quand on démarre ce deuxième épisode. Pour autant, et même si j'estime que le précédent reste un jeu excellent à faire si vous avez le temps, eh bien, en définitive, je ne suis pas sûr que démarrer par celui-ci soit réellement si dérangeant ou handicapant. On comprend vite de quoi il retourne et le plus important reste finalement de savoir qui sont les personnages et quel est leur but dans ce monde qui pue visiblement autant qu'un vieux fromage. Pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, donc sachez que dans cette A Plague Tale Requiem, l'histoire prend place au beau milieu du 14e siècle, et ce dans le magnifique mais néanmoins dangereux royaume de France. Dans cet opus, on découvre d'ailleurs plus précisément certains coins somptueux de Provence jusqu'à Massilia. Ben ouais. C'est Marseille, bébé. La maladie, la guerre ou encore la pauvreté sont au cœur des préoccupations de chacun, et c'est donc dans ce contexte ultra festif hein, qu'on incarne le frère et la sœur de la famille de Rune, et qu'est Sapellorio, Hugo et Amicia. Alors, pour ne rien arranger, il s'avère que depuis le début du premier jeu, le gamin est malade à crever, hein, ce qui fait qu'il a développé en quelques mois des aptitudes hyper flippantes, comme notamment le fait d'avoir un sixième sens et de voir des morts partout. Ouais, mais son pouvoir le plus cool reste bien entendu d'utiliser sa maladie pour venir directement à bout des méchants. Vous allez mourir d'ici 10-12 ans! Oh merde! Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais ce qu'on avait reproché au premier opus, c'était avant tout sa trop grande redondance sur le long terme. Pour résumer, disons que le jeu ne durait pas plus d'une douzaine d'heures, mais que malgré ça, eh bien, l'aventure pouvait sembler extrêmement répétitive au fil des chapitres. Ça avait beaucoup de mal à se renouveler, et c'est donc principalement le scénario qui nous tenait en haleine. Eh bien, sachez que cette fois encore, le constat aurait pu être le même. Eh ouais, je vous ai bien eu, parce que non seulement les premiers chapitres s'enchaînent tous de la même manière, mais aussi et surtout parce que ce deuxième jeu est plus long que son prédécesseur. Bah oui, comptez environ 18-20 heures pour en voir le bout de la queue, et potentiellement un peu plus si vous tenez absolument à grignoter les 36 trophées à déverrouiller.
Autant vous dire que vous n'allez sûrement pas le terminer rapido ni rasmo. Quoi qu'il en soit, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que ça aurait pu être très embêtant si le petit chef nous avait préparé exactement la même recette qu'à l'époque. Mais fort heureusement, eh bien c'est pas le cas. Ben non, cette fois le jeu prend le temps de se raconter, d'évoquer des points de scénario encore plus sombres, mais aussi de diversifier autant que faire se peut son gameplay. Et rien que pour ça, bah, la proposition est fatalement plus riche et plus appétissante. Alors, je vais y revenir dans quelques instants, hein, pas paniquer, mais avant cela, je tenais à faire une petite pause, tout comme le jeu se permet d'en faire à de nombreuses reprises, histoire de vous rappeler que la bande originale du projet est encore une fois composée par Olivier Derivière, et que c'est hallucinant à quel point ça coule de source. On commence à avoir l'habitude évidemment, hein, mais que ce soit les passages mélancoliques ou les chapitres bien plus graves, voire violents, on a la garantie d'être sans cesse dans l'ambiance grâce aux changements de musique effectués en douceur, même quand il s'agit de donner la gamme aura. Bon, par contre, il manque toujours le morceau My Plague de Slipknot par exemple, hein, mais bon bref, tant pis. Et puis enfin, en ce qui concerne les doublages aussi, le jeu est une pure réussite puisque la VF est aussi bonne que celle du premier opus, mettant notamment en avant Barbara Tissier, la voix française de Cameron Diaz, ou encore celle du petit Hugo qui n'a pas besoin de Karen Cheryl pour partir dans ses délires, et qui est brillamment incarnée vocalement par Cécile Gâteau, que vous avez déjà très certainement entendue en 2021 dans l'excellente série Mare of Easttown. Amicia également est parfaitement cohérente d'ailleurs, d'autant que cette fois elle représente un personnage plus badass que jamais, dans le sens où elle n'hésite plus du tout à défourailler tous les soldats ennemis qui lui barrent la route, au point que les autres protagonistes essayent tous tant bien que mal de l'apaiser, tellement elle a la rage en elle et tellement elle part en cacahuète dans des folies meurtrières dont elle ne contrôle plus la moindre seconde, quoi. Arrête de me dire de me calmer ! Oui, bon bah tu vas te détendre ma petite, hein, c'est moi qui te le dis. Enfin bref, alors comme le disait Mickey, je l'évoquais un peu plus tôt, cette suite est loin d'être aussi redondante que sa grande sœur, enfin... Ça l'est toujours un minimum, bien sûr, parce que la boucle de gameplay finit bien entendu par se répéter un tantinet. Bon, ça, c'est un peu dommage, effectivement. Mais faut bien avouer qu'entre les nouveautés et les petits contenus annexes proposés, bah, ça se ressent tout de même beaucoup moins que par le passé. Par exemple, et même si ça ne vous surprendra pas si vous avez connu les débuts de la licence en 2019, ici aussi vous allez pouvoir ramasser une douzaine de fleurs pour Hugo, trouver une vingtaine de souvenirs cachés au sein de l'aventure, débloquer une douzaine de capacités ainsi que valider une quinzaine d'améliorations quand vous tomberez sur des établis, après avoir trouvé des outils sur votre chemin au préalable. Sans parler des coffres secrets ou encore des plumes planquées un peu partout dans le jeu, bref, l'aventure est somme toute bien plus surprenante que ce qu'on pourrait penser de prime abord, et je vous cache pas que c'est fortement aidé par les ajouts en termes de plaisir de jeu et d'immersion. Niveau ressenti déjà, puisque tout comme les produits laitiers, la manette DualSense procure des sensations pures, donc on ressent absolument tout à travers les retours haptiques mais également grâce aux gâchettes adaptatives qui changent clairement la donne face aux ennemis. Vous m'en direz des nouvelles bien sûr quand vous toucherez au jeu, mais personnellement j'ai adoré. Pas autant que les autres subtilités de jouabilité cela dit, telles que le fait de pouvoir envoyer un allié se battre pour vous au corps à corps, épée, bouclier, Pokémon, tout y est, mais aussi le fait de manier l'arbalète et les armes blanches en plus de votre fronde habituelle, qui ne laisse pour autant rien au hasard ni à Thierry, ou encore last but not least le fait d'utiliser les pouvoirs psychiques d'Hugo pour à la fois situer les ennemis dans l'espace, façon vision d'aigle d'Assassin's Creed, ainsi que contrôler des hors d'entières de rats pour bouffer vos adversaires et leur faire goûter aux flammes de l'enfer vu que le paradis n'est pas. Oh, 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 ça j'avoue que c'est ultra jouissif honnêtement, hein, même si bien évidemment bah, c'est pas illimité non plus, hein, bah non. Plus vous utilisez ce genre de combine, plus le gamin est stressé, paniqué et ne peut donc plus vous aider pendant un laps de temps donné. Bon, bah dans ces cas-là, on opère à l'ancienne, hein, je vous apprends rien, mais la solution ultime sera, comme d'habitude, la flamme bien moyenâgeuse. Je viens de parler à Gwynette, elle va nous filer des bougies sans ton vagin. Alors en termes de points positifs, j'ai noté le côté visuel sublime, je vous le disais, le gameplay plus riche qu'à l'accoutumée, la bande-son à tomber et le scénario prenant, même si, bien sûr, je ne peux pas vous en dire grand-chose, ce serait quand même dommage de vous spoiler quoi que ce soit. Et puis en termes de négatifs, malheureusement, c'est encore un peu redondant parfois, c'est vrai, certains chapitres se ressemble notamment en termes de décor et aussi bah de proposition de gameplay, puisque forcément ça finit par tourner en rond sur certains passages. Bref, là encore je peux pas trop vous expliquer, mais vous verrez ça manette en main évidemment. Et puis bah toujours très rigide aussi, c'est vrai que voilà, ça avait été un petit reproche qu'on pouvait faire au premier, ça n'a pas tant évolué que ça sur ce point, c'est dommage, on a parfois l'impression de diriger un 38 tonnes. Bon,
Voilà, ça reste un double A avec ses défauts, ses imperfections, malgré ça. Je pense, à mon sens, que c'est l'un des plus gros jeux de l'année à faire absolument. Donc encore une fois, vous me donnerez votre ressenti une fois que vous l'aurez fait. N'hésitez pas à repasser par ici pour m'écrire vos impressions en commentaire. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel opus qui sort donc sur PC, PS5 et les nouvelles Xbox. J'espère que le taf aura été apprécié, j'espère que vous aurez pris du plaisir avec moi durant ces quelques minutes. Si c'est le cas, mettez votre plus beau pouce bleu et bien sûr partagez cette vidéo à qui le voudrait sur internet, c'est toujours comme ça qu'on soutient la chaîne. Et je pense que vous en avez conscience maintenant. Les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Pensez à vous abonner pour voir toutes les vidéos que j'ai à vous proposer jusqu'au mois, notamment de mars 2023. Il y en a vraiment beaucoup qui vont arriver, donc je ne peux rien vous dire, mais vous verrez ça par vous-même. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Cette famille ou quoi? Tout va bien, je te tiens.